Aujourd'hui, pendant que j'entretiens mon avion, je m'entretiens avec l'animateur Pascal Morissette, un gars qu'on voit partout. Comme ici, ici, ici. OK. Ça tourne-tu, là? Ça tourne, mais ça part pas. Faut que... Regarde, c'est le moulinet numéro 4. Le moulinet, ça, c'est la poulie 4, est à droite. J'ai étudié le plan. Pascal, ta carrière a pris son envol il y a déjà quelques années. Bien joué pour ça. Merci. Avec des projets comme Cochon dingue, L'école à la maison. Vrac Attack, que j'ai fait avec Vanessa Pilon, Nicolas Ouellet, MDR. Ça fait beaucoup d'émissions. Beaucoup. Quand tu observes cette longue liste-là, est-ce que ça te donne le vertige? Bien, j'ai pas tant fait cet exercice-là avant, en ce moment. Oui? C'est vrai qu'il y a un petit vertige qui vient avec ça. Est-ce que tu as le vertige pour vrai dans la vie? Oui. Je combats sans cesse cette part-là. Arbre en arbre, tu sais, des trucs dans... Oui, incapable. Oui. Je fige. Ah, je te comprends tellement. On m'a descendu. J'ai dû appeler l'organisateur, là, de... Non! Ouais. Puis il m'a descendu avec une corde. La honte totale. Bien, écoute, je te comprends. Moi, j'ai vraiment peur des hauteurs. Bon. On écoute un montage. Fait que tu vois, t'as pas à te sentir mal. Ouais. Là, ça tourne-tu? Ça tourne! Ça tourne! OK! Ça tourne là, ça tourne okay. là. OK! C'est bon. Ben, gardons ça, parce qu'elle avait raison. C'était vraiment le moulinet numéro 4, le problème. Prochaine étape de l'entretien, les pneus. Es-tu prêt, Pascal? Oui. OK. Pascal, comme le pneu qu'on gonfle en ce moment, je vais te mettre un peu de pression. As-tu des peurs bizarres? En fait, j'ai très peur des fantômes, mais j'aimerais beaucoup en rencontrer un, mais pas seul... Pis pas le soir. Aimerais-tu vraiment rencontrer un fantôme? Le jour, avec des amis, oui. OK, en gang, dans les bonnes conditions, c'est oui. C'est ça. Le paranormal, ça me fait peur, mais ça m'intéresse énormément. As-tu peur des pare-brises? Pas vraiment. OK, parfait. C'est important de bien voir quand on pilote. Oui. Pascal, c'est pas un hasard si on entretient un avion ensemble aujourd'hui parce que toi, t'es un grand voyageur. Quand même. T'as même animé une émission de voyage. Oui, j'ai parcouru le Canada en entier. C'est quoi une des plus belles choses que t'as vues? Le Yukon. On a survolé en avion des champs de glaciers. As-tu pris une photo de ça? Oui. Passons maintenant à l'intérieur pour fermer des affaires et mener de complexes vérifications techniques. Un, deux, un, deux. Pascal, aujourd'hui, t'es une personnalité publique, tu te fais reconnaître un peu partout. Est-ce que les gens t'approchent avec des demandes bizarres? Oui. Ma première autographe, je suis dans un café. Et il y a un petit garçon avec son père qui vient me voir et dit « Ah! Patrice Bélanger! » Et il est tellement content que je veux pas le décevoir. Puis là, je fais comme « Hey! » Il dit « Je peux te savoir une signature? » J'ai signé Patrice Bélanger. Je suis parti. Fait que lui est arrivé chez eux, il a mis ça sur Google, Patrice Bélanger, puis il a fait « C'est pas lui pantoute. » Mesdames et messieurs, voici ce qui conclut nos grands entretiens. Il est maintenant temps de revenir sur Terre, où il fait un confortable 10 degrés Celsius. On remercie notre invité, Pascal Morissette. Merci, Mathieu, un plaisir! Merci, Momo. C'est pas chaud, hein, dehors?